Bonsoir les gens, c'est Willy, on se retrouve pour l'épisode 11 de notre Let's Play sur Zelda Link's Awakening. Et la dernière fois, je vous avais laissé à l'entrée de ce donjon, dans le poisson-chat. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est un réel donjon avec un instrument de musique au fond ou si c'est juste un truc pour récupérer une clé. Mais nous allons voir ça dans cet épisode maintenant. Oh là. Ok. Ok, tout va bien. Je vais laisser. Comment je le tue déjà? Ok, c'est comme ça. Voilà, meurt. Oh, il me donne un bon rubis. Voyons voir donc. Qu'est-ce qu'il nous attend ici? Pas grand-chose visiblement. Allez hop, je tape le cul. Et tu meurs. On n'a pas de clé, donc pour l'instant on peut pas aller par ici. Mais là il y a un coffre. Et j'imagine qu'il cache une clé. Mais il faudrait que j'arrive à sauter. On verra ça plus tard. Hop, j'ouvre le coffre. Une boussole. Oui, ça ne sert à pas grand chose, mais bon, c'est pas grave. Voilà. On descend. Ah, ok. Hop. Ça va, c'est facile à comprendre. Ouf, c'est bon, je réussis. J'ai un petit peu serré les fesses, mais bon, tout va bien. Il y a une clé ici. Sûrement tuant tous les mobs. Oh! Depuis quand ils nous lancent des os, eux? Fou. Est-ce que je dois pousser ça ou je dois pousser ça? Non, fallait faire un carré. Je pense qu'il fallait faire un carré. Donc hop. Et voilà. Hé. Allez, on continue. Dans le doute. Ça ne marche pas. Bon, on verra plus tard. Allez, retournons au début du donjon. Voilà. Ah ok, pour un second je voyais plus l'entrée, je me disais merde, je viens d'où moi? Je me suis perdu. Allez, hop. Oh là là. On va tuer le machin là avant de se faire le squelette. Il est vénère hein. Ok, une salle bizarre et là. Oh là là. peu importe où je vais, c'est pas joyeux. Et j'ai pas de deck. Et on va tout casser quand même.
Fulminant, c'est quoi mon nouveau pouvoir? Ah, le boss. Allez, amène toi. Oh. Non mais où? Ah c'est bon, je l'ai eu. Ah je sais pas. J'ai pas des bombes. Oui j'ai des bombes. Allez pète un coup. Paf. Ça ça fait rien. Oh là. Elle est en cours. Bah je pense qu'elle fait des dégâts ça, non? Allez viens. Raté. Mais... Voilà, il est insupportable hein, cet enfant. Ah, attendez. Paf. Non, ça fait rien. Hop là. Bon, attends, je peux rien faire de plus, hein, mais là-bas, ton dégât, ça me fait peur. Je peux chanter une chanson, au pire. Mais bon, ça va pas lui plaire. T'en fous, hein? Non, raté. Oh là, j'ai plus de vie. On va rater les bêtises 5 minutes. Je sais pas quoi faire. Allez, meurs. Encore un ou deux coups, je meurs. Hein. Il veut pas mourir, hein. Ah, peut-être on lance de la poudre magique. Ça serait débile. Tiens, prends ça. Ça ne fait rien. Mais je sais pas, il a pas l'impression de mourir beaucoup, lui. En posant une bombe ici, en creusant. Oui. Ben je ne sais pas. Oh. J'avais oublié. Ah, peut-être en jouant le mambo, je sais pas. Parce que le poisson il a la même couleur que la case, mais. Non. Tout ce que je fais, ça marche pas. Oh! Je fais un dégât là, non? Oui. Ah zut. Ah mais oui. Bon bah ça fait 3 ans que je me bats contre lui et je viens de découvrir son point faible. C'est génial. Allez saute coco. Voilà. Oh, je ne peux pas te battre, j'abandonne. Voilà.
Gros naze. J'ai presque qu'il y a dans le coffre. Viens le chercher si tu l'oses. Maître Stalfon. Eh ben, tu vas voir Stalfion. Oh, des bombes. J'arrive dès que je te trouve. Ça pue ici un peu. Hop. Hop. Oh là. Ça ne servit à rien, mais bon, je suis content. J'ai toujours pas de bec. Ok, je trouve le truc du boss. Et est-ce que je peux aller ici? Oui. Ah. Est-ce que j'étais vraiment censé descendre par là? Je ne sais pas. Mais je crois que je suis baisé. Oh, des flèches. Vous avez ramassé une flèche, mais sans arc, elle ne vous servira à rien. C'est vrai. Oh là là. Mais dans quoi je me suis engouffré? Par contre, je suis dans la merde s'il faut des flèches. Ou même un grappin. Je crois que je vais avoir le grappin aujourd'hui. Parce que regardez, j'ai que des trucs pour accrocher. Mais là, je suis perdu, je sais même pas où je suis. Ah si, c'est bon, je crois que je vois. Je suis revenu au point de départ en fait. Aïe. Ah, il est agaçant lui. Voilà. Il y a un truc à débloquer ici. Allez, retourne-toi. Voilà. Merci pour le coffre. Ouais, j'ai le bec, mais il me sert à pas grand-chose en fait. Hein. Aïe. Hop. Du coup, retour à la case départ. Donc si je vais par là. Oh là. Hop. 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 Ah. Non. Ah oui, ça va être tendu quand même ça. Oh non. Oh, je vais mourir. Mais oui, mais il me faut un arc et moi j'ai pas d'arc.
Comment que ça se passe du coup? Parce que c'est cher un arc. C'est combien de rubis? C'est 900, j'en ai 400. C'est un petit peu mort. Bon, je suis retourné au niveau du... du village des mouettes. On va essayer d'acheter l'arc. J'espère que j'ai assez, mais je crois pas. Ah, j'ai pas assez. Mais je fais comment, moi? Oh, je vais devoir aller farmer. Bon, j'ai fermé les 981 rubis qu'il fallait. Oui, j'ai passé une demi-heure à couper des bouts d'herbe. C'était très long, c'était très chiant. Mais au moins j'ai l'arc. Allez. Partons. Hop. Petit mambo. Et on retourne dans le poisson chat. Et nous sommes de retour. Hop, je m'équipe de l'arc. Ok, pas besoin de charger, c'est instantané. C'est bon à savoir. Du coup, retrouvons-nous. Je ne sais où, mais on va trouver un endroit où aller. Hop. Par là, c'était parce qu'il y avait le boss. Attendez. Il y a un hibou. Le squelette épéiste ne peut être vaincu à la seule lame de ton épée. Il te faudra faire exploser quand elle sera effondrée. Oui, c'est ce que j'avais compris. Oh. Non. Attendez. Non, ce n'est pas ça. Je me disais peut-être que ça représente la map. Mais visiblement, on dirait pas. Allez, faut retrouver la suite du chemin. Je vous avoue, je suis un peu perdu là, vu que je suis sorti entre temps. Il y a un hibou ici. Peut-être qu'il nous apprendra des choses. Plonge là où se croisent les lumières des flambeaux. Plonge là où se croisent les lumières des flambeaux. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles, le hibou. Mais bon. On le découvrira bien assez tôt, je pense. Ah, je me rappelle, j'étais passé par ici. Hop. On va essayer de trouver. Ah, je peux pas pousser. Allez, zou. Là, il y a un truc. Est-ce que je peux faire ça? Attendez. Non. Non. Par là. Oh, attendez. Non, ça marche pas. Dommage. Alors. Est-ce que c'était le bon chemin par ici? Non. Mais... c'est compliqué. Ah, mais on n'était pas allé par là. Attendez. Mais oui. Ici, on n'y est pas allé. Je fais comment du coup? Je vais en haut ou sur le côté? En haut. Ah bah voilà. Ici c'est nouveau. Ah, par contre, ça va vite être chiant, donc on va tuer vite. Et lui aussi.
Ça ne débloque rien. Oh là là. Il m'a la grosse donjon. Par contre, je suis sûr qu'il y a un truc sous l'eau. Non, rien du tout. Ouais. Comment faire? Il y a un autre passage? Ah. Oh, il va m'être compliqué celui-là, j'ai l'impression. Allez, cassez-vous les bloops. Il y a un petit coup de bas ici, mais je sais pas à quoi il sert. Mais dans le doute, on va le tuer. Comment je... Voilà. Hop. Ah, il ne cachait rien. Il était innocent. Bon bah tant pis, hein. Ah bah c'est bien gentil, mais ici il n'y a rien. J'ai du mal à comprendre. C'est forcément par là du coup, mais... Peut-être en faisant une bombe, je sais pas. Et en faisant ça... Non. Peut-être en faisant une bombe, je sais pas. Et en faisant ça... Oh, je comprends pas. Ah mais oui, mais il y a ce chemin là aussi. Oh, je suis vraiment désolé les gens, mais je sais pas si mais je suis teubé aujourd'hui. Hop, on va dans le nord. On va essayer de faire quelques cœurs, mais j'ai raté. Bon, espérons que je spawn pas trop loin. Mais c'est bon, je commence... Oh. Hop. Je pense qu'il faut revenir, mais je vais quand même essayer de visiter ici. Voilà, ça je le passe pas. Aïe. Et là, c'est pas ici. Ça c'est le troisième, la troisième chambre, j'ai l'impression. Et la quatrième est tout au début du jeu. Mais si je vais par là, c'est bon. Compliqué celui-là. Hein. Quoi? Tu m'as trouvé? Mais t'es pire qu'un pot de colle. Ah. J'ai un arc maintenant. Ça ne sert à rien. Ok, on va rester à la bombe. Oula, par contre, on va fuir un petit peu. Allez, saute. C'est bon, on commence à le connaître, lui. Allez, saute. Ah zut. Saute. Et explose. Saute. Allez. Ah, je crois que je me fais avoir. J'ai plus de vie. Allez, explose. Ah,
Ah, mais je peux pas me battre, je m'abandonne. Ouais, casse-toi, ouais. Bon, du coup, maintenant on retourne au-dessus. Parce qu'on connaît où ce qu'il est. Il faudrait peut-être que je me soigne. Ah oui, soignez-moi s'il vous plaît, parce que là, ça va être technique sinon. Midlife, c'est pas ouf, mais bon, ça fera le taf. Oh là là. Oh là là. Ne cours pas après toi. Allez, troisième combat. Mais quoi, tu m'as encore trouvé? Oh, il se répète. Bon, par contre, ce combat est un peu répétitif. Ah, dommage. Oui, un peu répétitif son combat parce qu'il a le même pattern, il change pas ses attaques, et il dit la même chose, donc c'est pas... un peu dommage ça. Surtout que quand on a compris le truc, c'est ultra simple de le tuer. Hop, il saute. Aïe, raté. Et voilà, il est mort. Allez, je twerk. Ah, je peux pas me battre. Et du coup, si je continue par là, il y a un coffre. Voilà. Hop. Voilà, faut les prendre un coin, eux. Et je gagne une carte. Ce qui est sympathique, mais un peu osef. Mais du coup, le prochain combat est soit ici, mais je crois qu'il est plutôt là. Ou je ne sais où. Je crois qu'il était là, non? Ah, oh, je sais plus. Non, il était là. Donc, faut qu'on y aille. Je vais peut-être vous ellipser ça, parce que ça va être un petit peu long, sinon. On va juste regarder ce qu'il y a sur le côté. Ah, mais laissez-moi. Voilà, là il y avait un petit truc, donc on va juste regarder vite fait. Il y avait des bombes. Et ouais, rien d'intéressant. Oh. Hop là, double petit saut. Et je vous retrouve quand j'y serai arrivé. A tout de suite. Quatrième combat, j'imagine que c'est le dernier, avant le vrai boss. Bon, on connaît son pattern, donc on va pouvoir le défoncer facilement. Hop. Ah, je me fais toujours avoir. Je suis trop gourmand, je sais, c'est trop près de lui à chaque fois. Allez, amène-toi. Et voilà, c'était déjà fini. Ouh. Eh bien, j'avais raison, c'était bien un grappin. Vous avez obtenu le grappin, et vous allez voir, il s'étire. Bien. Du coup, on va tester sur la salle qui est ici. Ou la salle qui est là. Il y avait aussi une salle, là, je crois, car... bah, je crois que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Allez, on va voir ça tout de suite. Hop. Sortons le grappin. Ah, bah ça change la vie. Quoique. Ouais, ça me sert à pas grand chose là sur le coup.
Voyons voir. Ah, il me saoule ces mobs. Cassez-vous. Je pense que par là on aura plus besoin. Ouais, là surtout. Pour avoir des clés. Allez, récupérons une clé. Oh mais sérieusement. J'ai envie de mourir. Allez, meurs. Voilà. Donnez-moi 10 soins. Et ça, je peux pas le passer, donc ça sera forcément par là. Je passe en sautant ou pas? Je pense pas. Mais... Ah, je rate ces salles de mort. Les tuer. Est-ce que je peux même TP à l'opposé? Si je m'accroche quelque part. Ça serait bien. Change la vie. Par contre, comment je fais là du coup? Ah ok, je vois. Tout simplement. Tombe-toi. Comme ça. Moult rubis. Je vais tirer ça. Récupérer des cœurs parce que bon, ça devient un peu critique. Et on a une clé. Avec cette clé, je vais pouvoir me rendre ici. Ou ici. Ici peut-être. Ok, hop. Je peux récupérer une clé. Est-ce que ce serait pas la clé du boss? Si. Du coup, j'ai plus qu'à me TP au boss. Le boss qui est juste là. Et comment j'accède? Faut que je passe par là? Non. Si, ça m'a l'air d'être ça. Hein. Ouais, c'est ça. Allez, allons-y. Et du coup... Oui, c'est bon. Voilà, il meurt. Je récupère juste... De quoi me faire un petit peu de vie. Et on peut y retourner. Ok, hop, hop. Aïe. Ouais, c'était par là. Et du coup, avec mon grappin, là, je peux y aller. Si je fais ça, ça.
ça. J'ouvre cette clé, enfin cette porte. Je grappin. Je suis le grappin ici. Et salle du boss. Ah ah, tu es l'intrus venu réveiller le poisson rêve. Tu vas me servir de déjeuner. Oula. Et Muren. Faut pas que j'utilise les bombes du coup. Aïe. Ok. T'as utilisé mon arc. Raté. Le grappin. Mais je ne comprends pas. Oui, donc je suis de retour. On essaie de le choper au grappin. Ok. C'est comme ça. C'était évident, finalement. Ah, je pleure que de face. Ah, c'est compliqué en fait, il spawn pas au bon sens. Le grappiner deux fois. Ouais, bon, on va croiser les doigts pour avoir de la chance. Hein. C'est bon, au moins j'ai mis cher. On va essayer de camper ici. Ok, spawn pas là. Là. Quoi? Mais... Oula. Non, non, non. C'était une feinte. Je vais mourir. On se dépêche de le tuer. Parce que j'ai pas beaucoup de vie, j'ai un demi-cœur. Et en plus ça le prend pas des fois. C'est mal foutu. Allez. Je pense qu'on arrive à la fin. On campe, on campe. Il veut pas venir ici hein. Cette fois on a compris le truc, donc on va pouvoir le tuer facilement. Allez, on va camper ici. Allez. Voilà. Non mais sérieusement, je vais me réorienter devant mais Link s'est retourné. Quand je fais un coup de joystick trop violent, il se retourne. Oh. Aïe. Allez, mange toi ça. Allez, amène-toi. Il fait mal son truc là, sa queue. Oh.
Je me marre ces conneries. Voilà. Tu vas bouffer. Pff, il a pris bien cher là. Je pense qu'il est bientôt mort. Allez. Encore un ou deux coups, je pense que c'est fini. Non, c'est pas lui. J'ai un demi-cœur. Allez, meurs. Oh putain. J'ai un demi-cœur. Ah, tu n'as toujours pas compris quel était mon... La véritable nature, c'est-il? Tu es tellement naïf. Oh mon dieu, mais quel donjon de mort. Allez, donne-moi ton cœur et... C'est là que je tombe dans le vide et que je meurs. Vas-y, donne-moi mon cœur. Oh, je revis. Ah, franchement, c'était le pire donjon de tous, je pense. Tout ça pour un xylophone, en plus. Un instrument nul. Qui fait encore sonner le téléphone. Temple. Le temple referme le secret de l'île. Bon, eh bien je vais vous laisser là pour cet épisode qui est plus long que la normale, je pense, parce que pour moi, je dois vous dire que la vidéo elle dure depuis 1h43. À force de farmer, de galérer et tout, ben ça prend beaucoup de temps. Je vais essayer de vous réduire ça au maximum, ça a duré sûrement 30-35 minutes. Peut-être même 40. Mais bon, je vais essayer de faire comme je peux. Sur ce, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur Zelda Link's Awakening. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.